Et nous te connaissons, G9, depuis un certain temps, et a dégringolé. D'ailleurs, ça crivait aujourd'hui dans G9 là, mais elle n'est pas de G9 encore, parce que pas oublié, Baz Pilate est crasé lui-même. Baz Pilate est crasé depuis longtemps. Plusieurs policiers qui étaient dans Baz Pilate, depuis après l'an heureusement, tous les policiers sont venus quitter. Ils ont fait famille, ils quitté 3e, 4e, 5e avenue. Ça veut dire que les policiers ne sont pas là encore. Donc, Baz Pilate est fini craser lui-même. Et d'ailleurs, Ezekiel était presque quitté zone là, le monté qu'à Foufeuille. Ça veut dire qu'on était toujours à parler de G9, mais pas de G9. Et puis, avec l'an mort, avec l'an mort Sanson, tu as gagné des paroles qui t'ont parlé. Parce que en pile nèg qui était dans la base cachée du feu, t'es toujours croyé que c'est pas la police qui tuait son son. Ça veut dire dans tête nèg, t'es toujours dit que c'est pas la police qui tuait son son parce que son son pas ta mourir comme ça. Et à soya, c'est pas une information que moi le bail. Son compréhension de sa caprivé ou là. Ma pour reprendre, c'est pas une information que lié, mais c'est compréhension de sa caprivé là. Moi toujours dit, Jimmy Cherizier, son policier, parce que pas un ancien policier vrai, puisque nèg la prend formation. L'État investit sous lui, ça arrive qu'ils sont policiers révoqués. Mais, ils sont policiers pour la vie. Mais, ils sont policiers qui n'ont pas en fonction, mais un policier révoqué, un policier qui a abandonné. Jimmy Cherizier, Kouen Konel, c'est RNDDH, Pierre Espérance, qui transformait Jimmy Cherizier. Premièrement, dans sa hauteur, les massacres. Dans Grand Ravine, vous songez, ça qui passait dans Grand Ravine, là, nous, en novembre 2017, le monsieur al prend Maranatha, l'école Maranatha, deux policiers perdu la vie, mais tout, t'es gagné en dizaine de monde qui t'es mouru. Depuis le ya, on dit que les gars ont fait massacre depuis le ya, barbecue, dans viseur, Pierre Espérance. Et à remarquer, quel que soit ça, a grave une fait, Pierre Espérance pas dénoncé. Algade à Lyon, Algade suivre Pierre Espérance. Dans tout parcours, il y a des groupes gang qui ont fait des bagailles, ou après le pape dénoncé. Mando vous fait RNDDH. Bon, je ne veux pas parler de Pierre directement, je parle de l'institution ça, il y a des groupes gang armés qui ont fait des actions, ou après le pape dit aucun rapport contre eux. Aucun commentaire n'est fait sur ça et puis point boule. Suivez ça, Mdoulan, bien, sous intelligent. Question la saline n'a vient de passer et puis il y a vient de monter rapport yo, et puis il y a fouillé Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier qui trouvait la situation côté que le dit, il dit pas qu'elle est en prison. D'ailleurs, c'est une ghettolier, son nègre qui levait Delma 6. Il était très important pour lui de faire un choix. Il choisit M. Gang armé. Mais, contrairement à des nègres qui levaient, ou bien depuis un petit jeunesse, dans le mouvement gang, ce n'était pas le cas pour Jimmy Cherizier, il faut nous reconnaître ça. Mais, il vient quand même un groupe armé, il vient un chef de gang, et li, avec leadership, li, surtout, il li crée ça aurait en forme de fédération. Qui te plusieurs de l'autre groupe là-dedans, ou songez, monsieur était monté juste Grand Ravine pour la laisser sensibiliser des nègres pour faire partie de G9. G9, alliés et famille. Mais G9 a toujours gagné 9 groupes armés, 9 groupes gangs qui, eux-mêmes, dans un compte, dans toute activité, sont solidaires dans le mouvement. Mais G9 toujours dit que les pas dans le kidnapping. Mais G9, d'accord que
li gagne des membres nan volé et gen même des nèg nan membres qui kon fè ti koutou qui kon fè qui kon lever moun que des fois ouais que des moun yo lever en bas la ville là et puis nèg dou se basé grand ville ou bien village mais nèg craché du feu yo te kon fè ti mouvement lever moun tout mais on bonne note nèg nan Genève te kon pas d'accord ça bala devine calmer mais yo te toujours kon fè ça relé rançonner moun moun sot la banque yo rale zam sou yo pran l'argent et puis ça kon rive que yo joine des contrats tout et puis parce que pas oublier nèg ki bandi armé il est aussi un mercenaire ils sont mercenaires tout parce que ça qu'arrivé au bal des contrats pour l'exécuter des moun tout c'est mercenaire oui craché di fait qui n'ont position qui pas tellement fin stratégique pour que li gagne gros match de manœuvre dans en matière de gros entreprise cap financier li même li dit faut nèg moi toujours fait la rue et puis nèg li toujours fait la rue mais depuis quelque temps parce que premier bagage qui était supposé craser éclater Genève c'était Mikano qui était décidé détourner plusieurs camions comme il faut parce que qui s'est passé nèg qui en danger neuf yo majorité là-dedans yo c'est des nèg gété moun dans secteur privé ya qui ka relé au téléphone qui dit yo monsieur gen tel bail qui fin rivé là ban mon coup de main là-dedans pas oublier nèg qui dans secteur privé yo youn connecté à l'autre même si ça kon rivé des fois yo gagne des problèmes économiques mais yo ses amis c'est même équipe là c'est même moun yo c'est en royauté yo nan fait ensemble yo nan toute activité ensemble donc si kon conteneur qui perdit ou bien on est en bas à voler ou a joine quand même on est dans secteur privé a qui t'a dit ça dépend dans qui giron et bah la perdu hein la prélé chef gang nan dit chef gang nan mon chef gè tel bagay gade son café mwen pour qui ça parce que nèg qui dans secteur privé a li kon traité avec chef gang nan je reprends majorité nèg qui en bas la ville là qui dans gros business gros bagay secteur privé li yo kon traité avec chef gang yo. Tande samedi oui. Je ne peux pas oser parler de financement même m'a dit de préférence yo kon traité avec yo. Ça veut dire yo kon bay chef gang nan l'argent. L'argent à tous les niveaux. Souwele le financement parce que moi-même j'ai pas assez de preuves pour me dire que X ou bien Y kon financer même kadou que on maison machine qui en bas gien droit fait chef gang dans cadeau machine mbo gien assez d'éléments comme preuve nan même irréfutable que yo konn même konnen yo traité avec yo yo ba yo l'argent yo ba yo avantage toute qualité bagay ça me konnel mais si monsieur qui nan craché du feu yo qui pa gien trop marge de manœuvre en termes de gros entreprise cap financier yo dou y a fait la rio même et depuis après bah Mikano hein côté Mikano fin détourner plusieurs camions et conteneurs comme il faut on parlait même de 6 millions de dollars de marchandises et puis bah là commencé vin gâter nèg dit monsieur mouvement ça m'bac à la dan mouvement volé hein et puis l'autre l'a dit non gars moi pendant bah mouvement volé hein moi même pas aucune entreprise bon côté gien moun k'ap jero moun k'ap bol l'argent gien nèg en matière de gestion est difficile pour le river sur. Mais si monsieur crache du feu toujours maintenant tête et quoi et penser que c'est barbecue à Junior qui mangeait son son. Eh ben gardons bel local que moi me te connais parce que pas oublier c'est Simon Bellet moi était l'école à Mé du Salut me te connais et le fameux école du génie m'te kon descend nan asile communal la asile communal la m'te kon nan la dan de très souvent et ben depuis quelque temps nan bas asile communal la c'est là nèg caché du feu yo fait stockage matériel tout ça au volé et là yo les détournon camion y'a le débarqué là et ben gen le gros mouvement conteneur que nèg yo volé yo détourné conteneur et puis parce que m'a clair avant tout nèg ki nan secteur privé k'ap roulé en bas la ville là depuis ou perdu un bagay ou ap venu youn la dan ou bon zanmi nou k'ap relon chef gang yo gen contact la ou gen moyen pou ça et
servi au parlement de Junior, qu'on a quand même perdu. T. Junior a essayé quand même récupérer le conteneur comme chef, etc. Parler en pile bail. Nego dit, monsieur, non, pas un conteneur à bail. Et puis, dans discussion, discussion, m'apprenne chalet, là, les amener, le fils de monsieur. Un seul cartouche dans la tête. Un grain cartouche. Et puis, T. Junior mourit. T. Junior mourit, plusieurs autres monde, quand c'est ma T. Junior, ils ont mouru tout. Mais il y a une information qui dit, chalet mourit tout. D'ailleurs, Jimmy Cherizier barbecue, pape jamais accepté, on est venu tuer T. Junior comme ça, parce que T. Junior, c'est que monsieur. Même si récemment, on a eu une discussion dans la question, et on a eu un vial, al valet, yo canes, vous allez prendre deux fois de tibagay. Mais barbecue, dit, non, nous ne pouvons pas quitter, nous faisons ça, monsieur. Des activités pour la caille. Mais c'était des bagailles que nous gérer entre eux. Mais là, présentement, bon gros groupe qui a fait qui pété dans G9 là. Un groupe qui croit que yo pas de monde qui a financé au fort qui volé. A un autre groupe qui dit yo même, heureusement, il y a deux trois monde qui a baillé au timoyen et dans un mouvement volé. L'information, c'est quoi? G9. Main yon, main tout. G9 allié famille. Non situation qui extrêmement difficile. G9 perdu en pile plume. Jodi a la. Derrière tout ça, ça bagalaye. Eh bien, nous venons avec information bientôt. Blanc, infiltré G9. Normalement. Ce n'est pas une information, ça me devait dire d'aller. Il est difficile en pile. Faut que Jimmy Cherizier barbecue. Il y a une grosse loi avec elle. Il est difficile en pile. C'est, je reprends. Bon, plutôt, je ne vais pas dire parce que tu as les négal couper et puis au lagué. Yo dit, moi te dit. Bon, moi pas, qu'à faire comme ça. Ok? Parce que, gon analyse ou apese fait à moun yo, l'esprit moun yo pour qu'on gagne moun qui pour gagne dimension ça, pour yo comprendre de analyse. Par contre, je préfère pas dire rien de ça. C'est mieux. C'est moun yo pas gagne dimension pour yo comprendre ça. Ok? Et, m'pas regarder ça. Ok? Oui, carnaval là c'est 1998. Merci. L'autre niveau FM qui vole pour moi et puis Mika qui vole pour moi tout. Coup d'état, hein, carnaval 98. M'a boule pour nous n'importe là. Et puis n'a pas pris ces textes ça. Et OK. Ouais, qui était là, qui a des informations là. Des informations qui t'a fait comprendre chalet tombé après le film trouvé T. Junior. Guerri Henri. On va qui connaît la gueule là. Pas de problème. Et ça veut dire que G9 dans une situation qui est extrêmement difficile. Je veux dire, et vendredi, je vais focus trop sur la fête de G9, etc. Pas oublier, la toute première information. Arrington Rigaud, qui est directeur de l'Académie de police, là. Monsieur mourit après-midi, hein? Image extrêmement choquante, nous pas qu'à garder, tête monsieur fan, à un cartouche, moi le dis, gaillé à terre. Aïe, bah, qui dit, directeur général de police, là, il y a un problème, tout le monde met mourir dans le pays, lui-même, c'est que Lila, c'est poste-là, c'est fonction, il va régler, mais c'est Lila. Et puis, si Junior, ensemble avec plusieurs lots et gangs ou bien membres de groupes armés, eh bien, Nexayo perdu la vie et qu'on combat acharné qu'a fait
Et puis devant, c'est Carpitrice. Pas trop remet et continue à faire des analyses sur ça parce que en pile bagaille est arrivé et dans moment que n'a parlé là et même puis devant. OK, dans moment n'a parlé là et même puis devant. C'est une situation qui est extrêmement difficile et m'espérer que il y a des monde qui capable plus ou moins comprendre ça. On va revenir sous l'autre information. Mais, gon situation tension qui te gagne aujourd'hui dans zone Tiburon, nous bral gade ça tout à l'heure, et comment situation y est dans Wanamet, nous bral ici gade ça tout, et tout à l'heure, puisque son situation est, qui toujours très très difficile, mais, li, et Luis Abinadel, qui lui-même fait des déclarations qui dit que, affaire États-Unis, y a balle pression, etc., li même li dit que li pa travaille personne moun, l'a travaille avec peuple dominicain et l'a travaille pour peuple dominicain. Ça veut dire qu'il américain a parlé de question sucre dans la Romana et ça pas veut dire rien pour lui. Qu'il est haïtien qui a essayé bloquer des espaces, li même l'a travaille pour haïtien et l'a continué déporter et haïtien qui illégal yo, c'est ça et monsieur fait connait. Dans ce sens ça, nous allons parler avec Yves Marie